High five, man, vas-y, pose-toi là et goûte-moi ça, tiens. Fais-le pas tomber. Attention les sangs. T'as bien fait de venir aujourd'hui. Tu sais, t'as bien fait? Ouais, vas-y, fais tomber. C'est mercredi et on va schmepper. On va dans un JV, c'est une nouveauté. Le titre du jeu, je vais pas le dire. Vas-y, file-moi ça, moi, de ta fête. C'est Dread Star le jeu qui va nous faire schmepper. Oui, forcément, tous les viewers savent très bien pourquoi j'ai jamais entamé une carrière de chanteur, que ce soit pour le metal ou le reggae, c'est pas la peine. Ah, on l'a tous compris, mais en tout cas, aujourd'hui, on part dans un jeu qui est sorti hier. Oui, ce mardi est sorti un nouveau shmup, et il s'appelle Dread Star Booyah. Qu'est-ce qu'on retrouve au programme de Dread Star? Ouf, du très très gros pixel, oui, du pixel XXL, on va dire. C'est du pixel calibré 8-16 bits, hein, si on fait une référence processeur derrière. On va trouver aussi un gameplay qui essaye de combiner diverses choses pour se rendre intéressant, puisqu'il n'y a pas que du shmup. Il va y avoir une partie quand même, on dit RPG, mais j'aime pas du tout le terme. Mais oui, il y a une partie évolution de votre vaisseau qui va être très importante. Et il va falloir récupérer de la thune pour l'améliorer régulièrement et arriver à passer les passages que vous n'arrivez pas à vaincre. Yeah man. Non, c'est pas mon tour, je passe-le à un autre. Autre originalité, c'est que le jeu est quand même blindé de boss. Oui, les niveaux, c'est pour les rigolos, quoi. Autant aller à l'essentiel. Donc, il est très fréquent que vous commenciez un niveau et au lieu de faire un niveau, vous vous intéressez directos sur le boss. Yaka, on y va, allez. Réveillons Kelly. Alors, au programme de l'animal, c'est très rigolo parce que même le curseur, on le fait bouger et remplace la souris, mais au pad, quoi. On va vérifier rapidos les settings, puisqu'il y a des petites options rigolotes. Je crois qu'il y a des filtres. Ouais, on peut activer des filtres pour rendre un petit peu le look plus sympa, vintage au jeu. C'est exactement ce qu'il veut, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Ben, de l'espace infini et gigantesque comme d'habitude. Du vaisseau, parce que un simple voyage peut se transformer en toute autre chose. Et les rencontres sont pas uniquement du troisième type. Non, ils sont plus nombreux déjà, ces types-là. Et puis, ils sont pas forcément sympas. Oui, Dread Star porte sa 8-8 attitude jusque dans la musique. Hein. Il y a une BO qui est terrible, qui a été toute bricolée avec des vieux instruments et des samples d'origine, on va dire. Et ça, c'est mort. Si vous aimez la chiptune, ça peut vous éclater. Attention, nous sommes dans un shmup, donc on peut bouger. Ah, mon Dieu, ça bouge. J'en ai que deux qui marchent. Donc le tir, en fait, il y a un tir continu inépuisable quasiment. Et puis il y a un tir... renforcé, j'ai pas trouvé le dernier, ça doit être une super bombe, je pense. Je warp puisque se présente à vous, bien entendu.
Le cockpit. Oui, il faut dire le dans le cockpit, sinon c'est pas drôle. Et dans ce cockpit, vous allez pouvoir sélectionner différentes choses, notamment visualiser votre équipement qu'il va falloir améliorer. C'est un ordre, vous n'avez pas le choix. Et pour l'améliorer, il va falloir aller sur la map et choper des missions. Alors, elles sont pas toutes disponibles au démarrage, mais on va vous proposer de quoi vous faire un petit peu les dents. C'est parti. Moi, je suis un enfant. Comment ça, pas crédible? Si. Refile-moi ce truc là que... Alors, c'est... Ouf, ça fait bizarre, parce que c'est... Ça respecte son quota de rétro, quoi. Putain, je suis trop bon en plus. Les gars, le truc là que vous m'avez fait essayer, c'est peut-être ça qui m'enlève mes réflexes. Ça doit être ça. Ah bah je dis plus rien maintenant, je focus, hein, parce que sinon je vais perdre toute ma crédibilité. Déjà j'en ai pas beaucoup. Alors le jeu est très très raide parce que graphiquement il est pas bon non. Quand on fait du 8-bit stylés, on peut faire un truc qui soit glamour hein, quand même. Hein. Ça pas, hein. C'est pas parce que c'est du 8-bit que c'est moche. Les gens qui ont fait des œuvres d'art dans ces modes-là. C'est aussi triste parce que quand on voit les patterns... Voilà. On n'a pas envie de se suicider, mais le fameux déjà vu. Oui, le déjà vu. Il est par là. Alors, le truc marrant, c'est que le deuxième tir, lui, il est pas éternel. Hein. Il dure un petit moment le temps de la jauge sur le côté, apparemment. On va dire c'est le niveau de chauffe. On va vous trouver des excuses quand même. Cher ça. Et calmos les gars. Ne serait-ce pas un boss dont j'entends les pas résonner dans l'espace? Oui, on marche dans l'espace, c'est nouveau. Oh là là, mais qu'est-ce que... Je vais éviter de commenter pour l'instant parce que on est au début et je sais pas ce qui va se passer. Peut-être un truc bien. Peut-être jamais il y aura un truc bien. Oh merde. Non mais nique ta mère. Alors au cas où l'énervement vous prendrait, vous avez la partie RPG qui est disponible. Chez Barbe Rouge. Oui, Barbe Rouge. Le fameux... Oh, on veut pas savoir ce qu'il est de l'espace, en tout cas, mais on veut pas savoir. Qui va vous permettre, dans sa boutique, qui est super mal rangée, hein, ceci dit, parce que j'ai mis du temps à piger comment ça marchait. Et dans sa boutique, il va vous permettre d'acheter du matos, d'en vendre même, et puis de réparer votre vaisseau, parce que votre vaisseau va s'esquinter. Et du coup, il va falloir ramasser beaucoup, beaucoup, beaucoup de caillasses sous forme de gemmes qui, comme par hasard, tombent des cadavres des ennemis. Mission, go! Ah, je vous promets que cette fois, je le passe sans encombre. Alors oui, raid est ce jeu. Plus que difficile, il est vraiment raid. Du coup, on peut se permettre de se demander si c'est vraiment motivant de le parcourir. Puisque inexorablement, pour améliorer, enfin pour rendre vos passages dans les niveaux moins compliqués, vous serez amené à visiter notre ami Barbe Rouge. Et Barbe Rouge, le dealer de l'espace, je le rappelle. Qui sera donc là pour vous fourguer du matos, acheter votre ancien matos si vous avez besoin d'un peu de liquidité. Tout ça réparti sur les différentes pièces qui composent votre vaisseau. Du coup, la raideur du jeu, on se demande si elle va être gommée par le fait de tourner en boucle pour récupérer des gemmes et pouvoir déverrouiller des équipements. Ou si le jeu va être inexorablement jusqu'à la fin d'une raideur qui motive pas tant que ça. Quoi.
On va voir si ça va mieux se passer et on va essayer un nouveau secteur, on va changer un petit peu. Oui, j'ai sauvegardé différentes sessions. Et qui ont merdé d'ailleurs toutes. Et on va aller voir Aldébaran si c'est marrant. Mitigé ? Oui, je suis totalement mitigé sur ce titre. Il reprend les classiques, il n'ose pas créer ses trucs à lui, on a l'impression. Ça croit que ce serait un délit de créer un truc original. Donc du coup, sur ça, je suis pas mal... J'ai beaucoup de mal, même, on va dire. Ça tout du tableau bonus. Alors pareil, les tableaux sont aménagés super bizarrement. Il y en a certains, c'est vraiment des tableaux. Et il y en a d'autres, c'est du boss rush direct. Vous arrivez, le boss est là, il vous attendait, il s'est mis un peu d'aftershave en attendant. Et il va vous faire un peu la fête. Merde, je touche du cœur au nom de Zeus. Ça c'est con de passer là. Il y avait un fossé ici. Il a fallu que je me faufile dans un endroit complètement débile. Alors je vous rappelle que le tir double marche que un petit moment. Il se met à chauffer et après vous pouvez plus vous en servir. C'est pour ça que ce tableau plus que du skill, il va vous demander en fait de faire ça de manière très rigoureuse toujours. C'est pour ça que je trouve pas le jeu très fun en fait. Tiens. Oh non, pas lui. Je vous présente Hervé. Hervé l'énervé, qui est probablement le boss le plus ennuyeux du monde, de l'univers. Enfin de cette dimension en tout cas. Hervé, va falloir rentrer là. Non? Tu veux bien crever? Non, t'es comme l'autre jour, tu fais la gueule. Ah papa. Qu'est-ce qui s'est passé encore? Ta femme? Ah ouais. Et là j'ai de la manette qui m'a lâché. J'ai eu la direction qui a été bloquée en tout instant. C'était pas une connerie. Hein. Donc dans un shmup, ça c'est quand même problématique. Et c'est pas la première fois que le jeu me le fait. Bibi 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 bibi. Bou 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 bou. Il est énervé. Et là pareil, j'ai ma direction qui a été bloquée. Donc il y a un problème quand même sur ce jeu entre le manque d'enthousiasme qu'il génère et puis ces histoires de direction qui se bloquent alors qu'on est en plein milieu de la partie. Si vous voulez voir des gens qui jettent des manettes, ça fait partie de la bonne sélection, je trouve. Aldébaran, c'est pas marrant, on n'ira plus. Faraway Sector, on l'a fait en premier parce que c'était le plus loin et on n'était pas sûr de rentrer avec le carburant. Et donc là, on va se faire le secteur si long parce que si long, on y pense. Non, rien. Piu 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 piu. Oh là là, un tableau à la thématique Space Invader. Je suis mitigé quoi. J'aimerais vraiment dire des trucs sympas sur ce jeu, mais pour l'instant il a pas d'argument pour quoi. C'est très bateau. Alors ça peut être marrant dans un cadre éventuellement, c'est faire voir à des mômes les différents gameplays qu'il peut y avoir sur des jeux. Des jeux un peu vintage. Oh là 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 là, ça va mal se passer. Mais il faut que le monde soit d'accord, enfin, et vu les jeux modernes qu'il y a, il y a des chances qu'ils disent non. Je le dis franchement, hop hop. C'est fourbe ce petit machin là. Ouais c'est ça, piu piu piu. Moi aussi piu piu. D'où il sort lui? Tu connais le truc, Not From Behind? Oui, je n'arrête pas de tirer, je vais faire ça à la brute. Alors, et puis ça manque de vaches kidnappées quoi. Oui, rappelez-vous le Super Space Invader, c'était lequel? Super Space Invader 95 sur Amiga. Cette tuerie. Avec des vaches qui étaient kidnappées réellement par des extraterrestres. C'était juste fabuleux. Oui, il m'affiche pas des messages en plein milieu parce que ça va pas m'aider. Je m'en vais les gars. Remontez pas. Ah, le boss! Ouh, l'agité du bulbe. Vilain. Ouais, c'est ça, vilain.
Oh, mais le gros vilain, il tire pas, mais... Pour arriver à le shooter, il faut vraiment se mettre au milieu, c'est l'horreur. Et j'ai ma direction qui est encore emmerdée, là. C'est quoi, cette connerie? Ah, c'est pas fini. Mon calvaire continue. Dans l'espace, je vais crier. Et c'est maintenant... Ah! Comment ça, y'a personne pour m'entendre? Oh. Les amis, on ne verra pas davantage dans ce jeu. Je vous laisse le découvrir par vous-même, puisqu'il demande beaucoup d'investissement du joueur. Peut-être un petit poil trop, à mon avis. Et du coup, c'est assez dur d'accrocher, je vais le dire franchement. Voilà. C'était la découverte de Dreadstar Bouyaka, et je vois qu'on me tend un truc qui a été fraîchement roulé. Bah, on se retrouve trop bientôt. Regardez, playlist, bouton d'abonnement, moi j'y vais. Bien, ok.